Salut, salut, salut les copains. Le mendiant me fait envie d'enfant de slip sans pas mauvais. Toute l'Afrique va s'en sortir. Ton cancer se soignera. Le scopitum, le côté un petit peu, allez, hop, Jackie, t'as une idée. On te met devant un papyrus, puis tu nous fais croire que c'est la forêt amazonienne. Moi, ça me convient parfaitement. Je veux dire, la jockey, vous pouvez dire, elle est 100% contemplée, 100% heureuse. Donc, ben, pour moi, c'est une évidence. David, tu es en France. Petit coup de fil. Est-ce qu'on peut se voir? Là, j'ai 2 heures devant moi. Claque-moi un scopitone et c'est impeccable. J'ai le cœur en fête, tape les gambettes, j'ai le cœur fou, tape les genoux. J'ai le cœur en fête, tape les gambettes, j'ai le cœur gai, tape le jarret. J'ai le cœur en fête, tape les gambettes, j'ai le cœur fou, tape le genou. J'ai le cœur en fête, tape les gambettes, j'ai le cœur gai, tape le jarret. Oh non, ça n'a pas du tout été tourné dans une forêt canadienne, parce qu'on n'est pas monté jusque-là. On est allé à Lille quand c'est arrivé. J'étais en grande tournée internationale en France à ce moment-là. Et donc, on était à Lille et on a cherché un petit coin de nature parce que, bon, moi, évidemment, la nature, c'est quand même mon dada. C'était quand même important que pour le cœur, en fait, il y ait de la campagne, il y ait du jaune, qui est la couleur de la joie. Donc, voilà, on a tourné ça, on a fait semblant. Puis si vous dites que ça vous a fait penser à une forêt québécoise, c'est parfait, parce que c'est exactement notre envie qu'on avait. Alors, que le deuxième scopitone qu'on a fait avec David, c'est le scopitone de la joie. Là, j'étais en grande tournée internationale sur Paris. Là, j'ai pris rendez-vous avec David puisque j'étais sur Paris et qu'il est aussi sur Paris. Alors, on a dit ping-pong, c'est impeccable, on se retrouve à Paris, Canal Saint-Martin. Et c'est lui qui m'a proposé de faire un truc tout au long du canal parce qu'on n'était pas loin, tout simplement. It was upon a time, my friend, I walk on my own. It was upon a time when I feel like in the moon. Ensuite, il a mis le sous-titrage qui est important parce que cette chanson est en anglais. Et pour mon public qui est plutôt francophone, je pense que c'est important qu'ils lisent bien l'anglais. Moi, je me suis un petit peu cassé la nénette à écrire ce texte. Je ne suis pas très, 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 très bonne en anglais. Et c'est pour ça que c'est bien que ce soit sous-titré. Et il se trouve qu'il y avait une belle usine derrière, qu'on a commencé à faire la guitare. Moi, je me suis retrouvé vraiment à faire la guitare. J'ai l'impression d'être une super-héros, là. David a fait une espèce de plan d'ensemble vu d'en dessous, comme ça. J'ai l'impression d'être vraiment une guitare-héros. Alors que je ne me sens pas forcément très, très musicalement calé à faire du guitare, mais bon. I love you, I need you, I touch you, I kiss you, my love, I say yeah, I play, I'm okay. Donc, je suis très contente de ce clip-là. Je me trouve très en beauté. Là, il se trouve que j'avais perdu un petit peu de poids à ce moment-là. Donc ça s'est passé à Nantes. Nantes, qui est une ville dans laquelle j'ai un petit peu habité ces derniers temps.
Et à l'endroit où j'habitais, il y a une espèce de grand parc comme ça, avec des comme, je me croyais un petit peu à Berlin. Je sais pas pourquoi, je connais pas très bien Berlin, mais ça me fait penser un petit peu le côté un peu industriel. Puis les grands poteaux autour peints, un petit peu style graffiti, hein. C'est un endroit qui ressemble un peu à un street art, un genre de truc comme ça. Donc, j'ai proposé à David ce champ de vision-là, puis il a tout de suite accepté, c'est très sympa. Et j'ai aussi eu envie d'inviter un personnage qui est un petit peu dans mon imaginaire, qui s'appelle Ventre à laine. C'est un personnage que je vous dirai pas comment il est constitué et qui est sous le masque, parce que c'est bien de garder un petit peu de mystère. Que je trouve très, très intéressant parce qu'il est un petit peu comme si c'était pour des enfants. Il est plein de colère, il est plein de facétie entre la colère et la facétie, et puis aussi la magie. J'ai pas d'idée là, comme ça. Je pourrais dire Johnny, mais enfin, c'est ridicule. C'est vrai que ça aurait été chouette si Johnny était venu faire le dernier Scopitone pour la centième. Là, on a fait une petite surprise avec tous les copains des Scopitone. On est à une bonne douzaine, voire un peu plus. C'est une reprise de Johnny. Alors, si Johnny avait pu être là, ben, ça aurait été super. Ni plus ni moins.